On dit que la course c'est pour les hommes. Moi je dis ta gueule. Si t'es... Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Nice for Speed. Et on vient de trouver encore aujourd'hui la voiture du jour. Donc j'ai beaucoup cherché, enfin j'ai pas beaucoup cherché, mais pour moi je pensais qu'elle était encore dans la montagne, alors qu'en fait elle est en ville. Donc elle se trouvera tout simplement à ma position qui est ici. Voilà, et tout simplement la nouvelle voiture se trouvera ici. Donc c'est parti, let's go, on va aller voir ce que c'est. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Oh là, par contre c'est une vieille bagnole. Ah ouais, c'est vraiment une vieille bagnole les gars. Mais voilà, alors la géolocalisation du GPS, elle est ici, donc voilà. Donc elle est vraiment tout en bas de la map. On va... Ah non, pas tout en bas de la map. Ouais, de l'autre côté de la ville en fait. Bon, vous voyez une caisse qui vient de s'afficher. Et tout simplement la voiture elle se trouvera ici. Et on va voir, on va l'essayer, on va la prendre et on va l'essayer. Donc c'est parti, on va essayer la voiture. Donc c'est la voiture du jour qu'on devait trouver. Donc elle est, en fait elle spawn aléatoirement, pour ceux qui savent, elle spawn aléatoirement sur la carte. Donc ça m'a l'air d'être... Ah, c'est une Volvo cette fois-ci. Alors la dernière fois je crois que c'était une Dacia qu'on avait eu. Là c'est une Volvo. Bon, à un moment je pense qu'on va se taper les keufs comme d'hab. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc en tout cas pour l'instant elle n'a pas énormément de patates. Une petite Volvo trouvée sur la map. Donc ouais, ça fait super plaisir. Bon, c'est la voiture du jour. Bon, c'est pas une super caisse, voilà, c'est pas... Bah ouais, normal, là, tu vas me victime avec, quoi. En même temps... Donc, il y a quand même 5 km, les gars, à taper, donc ça va être très, très long. Je vais vous faire des coupures dans la vidéo, parce que très long, ça... Ah, c'est les couilles, la voiture de keuf, elle est de... Wow, j'ai esquivé le fourgon blindé, mon pote. Et donc voilà les gars, donc on va se retrouver sur la personnalisation de la petite Volvo qu'on vient de trouver. Donc c'est parti, let's go, on va voir un peu ce qu'elle vaut en personnalisation. Bon, on verra de la couleur. Après ça, je verrai vraiment, je déterminerai le niveau de la couleur. Bon, en tout cas, elle a des beaux pare-chocs. Ses feux, bon, elle a des... Oh, elle a des feux un peu rallye et tout, ça claque. Ah tiens, je mets cela, moi j'aime bien, ça fait un peu rallye et tout. Je pense qu'on peut en faire une belle bagnole de rallye. On va le mettre celui-là. Le capot, donc le fameux capot de cette Dacia. Cette Volvo, je veux dire. On va prendre celui-là. On va faire une bagnole de rallye, en fait, au pire. Tac. Et... D'accord. C'est ça, en fait, qui s'est ajouté au toit. Donc, voilà. Donc, je vais faire attention de ne pas trop spoiler sur mes voitures. Quand même. Elle a pas beaucoup de rétroviseurs, pas mal, donc on va mettre ça. C'est un fichier parce que j'aime pas trop la gueule des rétro. Tac. Après, on va s'occuper. Bah, on va mettre de la solo, tiens. Tac. On va se mettre un petit aileron sympatoche. Bon, y a pas grand chose en aileron, mais. Attendez, on va mettre d'abord le. On va remettre un coffre correct. Plus propre, on va dire, entre guillemets. Pare-choc. Donc là, le pare-choc, on va essayer de faire un truc. Celui-là est pas mal. Tac. Ah bon, elle a pas grand chose. Par contre, le pot, on va vraiment lui mettre un pot d'enculé. Tac, je crois que celui-là, c'est le meilleur au niveau des pots, je crois. Ouais. Voilà, tac. Voilà, donc on lui a mis un gros pot d'échappement. Et on a oublié les phares arrière et le spoiler. Alors... Bon, on va mettre ça, c'est du basique, hein. Donc tac, tac, on va lui mettre un petit aileron, vraiment de petite compète, voilà, vraiment un petit aileron de l'époque, comme ça, tu vois, histoire de dire que ça fait une petite voiture de compète. Et en pneu, voilà, on va commencer à s'attaquer au pneu. Donc moi, principalement, la marque que je préfère, c'est celle-ci. Dans les jantes, on va
va lui mettre déjà en standard le temps, vraiment histoire qu'on voie un peu ce qu'elle vaut. Donc on va prendre celle-ci et on va agrandir un peu le pneu. Voilà. On va aller faire de la même chose là-bas. Donc là, c'est vraiment du standard, les gars, hein. C'est juste histoire de voir un peu ce qu'elle vaut la voiture. Voir comment elle est un peu en personnalisation. Tac, on va mettre des disques. Tac, après, on va mettre un étrier correct. Tac. Et un pneu de chez Iliou. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Toc, 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 toc. Attendez, la jante, je sais plus si je l'ai mis à fond. Ouais. Voilà. Et. Oui, il me manque ce pneu-là que j'ai pas fait. Le pneu, c'est bon. Les jantes, c'est ok. L'étrier, je ne pourrais pas le mettre tant que j'ai pas mis le disque de frein à jour. Tac. Et. Honnêtement, je personnalise des vieilles voitures, mais c'est marrant. Voilà. Sur ce, voilà à quoi elle ressemble. Donc. Voir la voiture, donc voilà à quoi elle ressemble en fin de compte, bien tuning et tout. Après, alors c'est une voiture de quoi celle-ci? Donc on va aller voir tout de suite. C'est une course. Cette voiture-là est en course. Donc voilà, donc bon, j'aurais préféré l'avoir en tout terrain pour que ça fasse vraiment une bagnole de rallye parce qu'elle a vraiment un côté rallye. Et bon, malheureusement, elle est en tout terrain. Mais comme vous pouvez le voir, elle est vraiment stylée la voiture. Je la trouve vachement belle. Bon, après, c'est pas, elle va rester dormir dans le garage, hein, celle-ci. Mais voilà, sur ce, ça fait plaisir d'avoir encore une nouvelle voiture trouvée sur la chaîne, voilà. Et sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. On va quand même lui mettre un petit tuning. On va aller chercher quelques petits tunings. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire des tunings sur celle-ci. Donc, on va aller dans les tendances. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Il y avait quand même des petits tunings dessus. Donc, ouais, il y en a qui l'ont encore personnalisé en voiture de rallye, voilà. Je m'en doutais, de toute manière. Même moi, je l'ai dit, il faut mieux la mettre en rallye. Donc ouais, il y a quand même pas mal de tuning assez sympa là. Par contre, c'est vrai que celui-là était sympa avec l'or et tout. Hop. Il y a quand même des tunings assez sympas. On va en prendre un. On va dire qu'on va en prendre. Je vais reprendre le premier qui faisait vachement rallye. On va lui mettre le premier qui était voilà, assez sympa en mode rallye et tout. Voilà. Voilà, sur ce, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, les gars. Et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao tout le monde.